Je m'appelle Pierre Compagny, récemment élu bourgmestre de la commune de Gansoren, ce qui a été une vive émotion pour moi. Allez, bon continuation. Ouais, merci. Je suis né des parents congolais, noirs, et j'oserais dire fier de l'être. Et je crois que c'est une fierté pour le pays, une fierté pour moi-même, pour ma famille. C'est une certitude que moi je suis humaniste, parce que les valeurs de famille, les valeurs humaines, l'amitié, sont des valeurs très importantes pour moi. L'idée de marcher est venue tout simplement parce que je me suis dit, comment faire pour que ce marché qui est permanent à Jette soit intéressant chez nous aussi. Et là, c'est l'axe qui nous intéresse. Tous les dimanches, il y a le marché à Jette. Pourquoi ne pas faire le pont avec ce marché-là? Et vous avez là l'axe en fer et marché qui se prolonge sur celui de Jette. C'est un marché permanent, c'est un marché qui draine du monde. Je crois que les commerces environnants vont en tirer profit. Un marché semi-démontable et rapidement semi-démontable. C'est une très bonne initiative. Ouais. Si j'ai un marché comme celui-là, qui rapporte une certaine somme, que je mets cette somme dans une fondation, qui ira suppléer les activités des aînés, suppléer les activités des jeunes, pourquoi cette somme ne peut pas les aider à ceux qui ne savent, qui n'ont pas assez de moyens, à se payer un abonnement de bus, de tram. Donc, ça aurait déjà été un geste encourageant pour la mobilité douce. À l'avenir, on dira de Gansoren, elle a eu la chance d'avoir des responsables capables d'en faire une commune plus innovante, à la pointe de la recherche de ce qui peut être agréable pour la commune.